Il y a un moment qu'Hachem créa tous les animaux. Certains rampent, certains nagent et volent parfois même très haut. Ils vivent tous autour de nous, ils ont leur propre maison. Ils peuvent vivre dans le ciel, sur terre ou sous la mer. Sois fort comme un le lion, repousse ton yetzer hara. Sois tzniyou tous les jours, comme Khatou le chat. Sois protecteur comme les chairs à aigle, protège ta neshama. Apprenons des animaux pour servir Hachem notre roi. Il y a les ovipares comme les oiseaux ou les canards. Il y a aussi les mammifères comme la vache ou le renard. Certains changent d'apparence au cours de leur vie. Comme par exemple le papillon qui était une chenille. Sois fort comme Ariel le lion, pousse ton yitzhara. Sois tzniyou tous les jours comme Khatou le chat. Sois protecteur comme les chairs à aigle, protège ta neshama. Apprenons des animaux pour servir Hachem notre roi. Hachem a créé pour nous des millions d'espèces d'animaux. Notre mission, les protéger, prendre soin de les respecter. Même s'ils vivent dans plusieurs endroits, dans les pays chauds ou les pays froids, nous devons veiller à leur bien-être pour qu'ils ne disparaissent pas. Sois fort comme Ariel le lion, repousse ton yetzer hara. Sois tzniyout tous les jours comme Khatou le chat. Sois protecteur comme les chairs à aigle, protège ta neshama. Apprenons des animaux pour servir Hachem notre roi. Sois fort comme Ariel le lion, pousse ton yetzer hara. Sois tzniyou tous les jours comme Khatou le chat. Sois protecteur comme les chairs à aigle, protège ta neshama. Apprenons des animaux pour servir Hachem notre roi. Sois protecteur.